Bonjour à tous, c'est Elisa à la médiathèque et j'aimerais bien vous raconter une histoire. Aujourd'hui, j'ai choisi le livre Coin C de Oliver Jeffer. C'est une histoire que j'aime bien, que je trouve très drôle parce qu'elle est un peu bizarre. On y va ? Coin C de Oliver Jeffer. Tout a commencé quand le cerf-volant de Floyd s'est pris dans les branches d'un arbre. Floyd avait beau faire, il ne parvenait pas à le décrocher. Mais les ennuis sont vraiment devenus sérieux quand Floyd a jeté sa chaussure préférée pour le décoincer. Et qu'elle s'est retrouvée coincée elle aussi dans l'arbre. Bon. Alors il a lancé son autre chaussure pour récupérer sa chaussure préférée. Et ben c'est incroyable, mais elle aussi, elle est restée coincée dans l'arbre. Bon. Alors, pour la faire tomber, Floyd est allé chercher Mitch. Et il a lancé Mitch dans l'arbre. Mais ça n'a pas marché. Bon. N'empêche que la situation commence à devenir un petit peu ridicule. Floyd alla chercher une échelle. Il était déterminé à régler le problème, une bonne fois pour toutes. Et avec l'échelle, il l'a lancée dans l'arbre pour faire tomber le chat et tout le reste. Mais vous devinez ce qui arriva? Elle est restée coincée. Ah! Bon! L'échelle avait été empruntée à un voisin et il fallait absolument la remettre à sa place avant qu'il ne s'en aperçoive. Alors Floyd, il est allé chercher un pot de peinture, il l'a lancé. Et c'est resté coincé. Alors Floyd, il a essayé de lancer un canard pour faire tomber le pot de peinture, mais non, c'est resté coincé. Alors après, il a lancé une chaise pour faire tomber le canard et c'est resté coincé. Alors après, il a pris une bicyclette, il a lancé la bicyclette pour faire tomber la chaise et c'est resté coincé. Alors du coup, il est allé prendre l'évier de la cuisine et il a lancé pour faire tomber la bicyclette, mais c'est resté coincé. Alors il a pris la porte d'entrée pour faire tomber l'évier de la cuisine, mais c'est resté coincé. Alors il lui restait à prendre la voiture des parents pour faire tomber la porte d'entrée. C'est resté coincé. Alors après la porte d'entrée, il a pris le laitier qui passait par là et il l'a lancé dans l'arbre et il est resté coincé. Après, il a pris un orang-outan pour faire tomber le laitier, qui avait sûrement mieux à faire dans cette histoire, mais l'orang-outan est resté coincé. Alors il a pris un petit bateau pour faire tomber l'orang-outan, mais il est resté coincé. Alors il a pris ensuite un grand bateau pour faire tomber le petit bateau et toujours pas. Alors il a pris un rhinocéros pour faire tomber le grand bateau et toujours pas. Du coup il a pris un semi-remorque. Vous devinez la suite, hein? Toujours pas. Alors après, il a décidé de prendre carrément la maison d'en face. Il l'a soulevée comme ça. Il s'est dit avec ça au moins je vais faire tomber le semi-remorque. Il l'a lancé dans l'arbre et toujours pas. Alors il a pris un phare pour faire tomber la maison qui n'était plus en face. Ça n'a pas marché, le phare est resté dans l'arbre. Heureusement, une baleine passait par là, alors il s'est dit, au moins avec ça, c'est sûr, le phare va tomber. Il a lancé la baleine, mais ils restèrent tous coincés dans l'arbre. Ça devient catastrophique, cette histoire, quand même. Heureusement, un camion de pompiers vient à passer. Les pompiers remarquèrent le branle-bas, s'arrêtèrent devant l'arbre pour demander s'il pouvait être d'une quelconque utilité. Besoin d'un coup de main, gamin? Et en effet, Floyd a lancé le camion de pompiers, puis les pompiers l'un après l'autre. Mais non, tout le monde se retrouva coincé dans l'arbre, entre l'orang-outan et l'un des bateaux. Bon, là, l'absence des pompiers allait forcément être signalée à la population et Floyd savait qu'il serait alors dans un sacré pétrin. Il réfléchit et là, il lui vint une idée. Mais oui, c'est ça! Il courut chercher une scie. Oui. Il la positionna du mieux possible et
et il la lança dans l'arbre. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Le cerf-volant s'est décoincé parce qu'il n'y avait plus la moindre place dans l'arbre. Floyd était ravi. Il se souvenait plus du tout même que c'était cette histoire de cerf-volant qui avait fait commencer toute l'histoire, mais c'est pas grave, il s'est mis à jouer immédiatement avec le cerf-volant, il passa le reste de la journée à s'amuser. Ce soir-là, Floyd, il se coucha épuisé, fatigué. Mais juste avant de s'endormir, il avait la certitude d'avoir oublié quelque chose, mais alors quoi? Ah, ça lui est parvenu. Puis il s'est endormi. Vous vous souvenez, vous? De ce qu'il a oublié? Mais si. Réfléchissez bien. Je crois qu'il reste pas mal de choses de coincées dans l'arbre. Oui, mais ça, c'est une autre histoire, hein. Oui. On va laisser Floyd se reposer. Voilà. C'était coincé. J'espère que ça vous a fait rire. Moi, j'aime bien. À bientôt pour une autre histoire.